Château de rêve a été le grand vainqueur de la soirée, avec trois prix majeurs, dont celui de meilleur film, de meilleur réalisateur et de meilleur acteur. Je suis allé dans beaucoup d'autres festivals de cinéma, mais c'est le premier avec mon équipe de tournage. Nous sommes tout simplement enchantés d'être récompensés lors de cet événement. L'acteur chinois Chang Feng a partagé le prix de meilleur acteur avec Hamed Saberi Bedad du film Château des rêves. Le vétéran du cinéma, âgé de 96 ans, a donné le portrait vivant d'un vieux soldat désirant rentrer chez lui en Chine continentale dans le film de l'acteur chinois Qin Hailu, qui fait ses débuts dans la réalisation avec le film The Return. D'abord, à cause de mes problèmes de santé, je ne pensais pas pouvoir jouer dans ce film, mais le scénario et le personnage m'ont vraiment touché et je suis très surpris d'avoir reçu ce prix. Je suis vraiment touché. Le prix du meilleur film d'animation a été donné au réalisateur Masaki Yuasa pour son film Ride Your Wave. L'acteur et chanteur japonais Katayose Ryota a reçu le prix au nom de l'équipe. Le doublage en animation est assez différent du chant et du jeu d'acteur dans les films, mais c'était assez enrichissant. Plus tôt, une affiche internationale qui inclut l'acteur britannique Tom Hiddleston a foulé le tapis rouge pour le plus grand plaisir des fans de cinéma.